Salut tout le monde. Hein? Salut tout le monde. Déjà ça commence bien, je sais bafouille direct. Il y a la mère de Heure qui est déjà là-haut. On a Pepette, je sais plus comment elle s'appelle, Pepèche. Ah ouais, Pepèche, j'étais pas loin. Et donc on a dit qu'on se faisait quoi? On leur a rien dit je crois la dernière fois. Eh bien on a une quête à prendre là. Eh bien on va se faire ça direct. Yo bro. Ouais on peut. Ce qui se passe, leur drogue se répand partout. C'est de la merde toxique qui trafique chez Eden's Gate. Adélaïde. Mais non, je veux voir ton tatouage, j'arrête de tourner. Et elle est dans la rivière. Tu vois ces gros conteneurs verts, ils sont pleins de glace. Les saguets les expédient dans un endroit vachement important. On doit trouver où et les détruire. Mon coach de vie, il dit que les problèmes, c'est comme les tractions, pour les décomposer. Donc première étape. Tu vends un ordi qui pourrait nous aider à pister ces conteneurs. Ensuite, on les trouve et on les fait sauter, Je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite autant dès qu'on parle d'armes à feu. C'est juste un outil. Quand on sait s'en servir, c'est pas plus dangereux qu'une bagnole. Il y a des milliers de gens qui meurent dans des accidents de la route chaque année. Et je vois personne manifester dans les rues de la capitale. Exactement. On commence par l'hélico déjà. C'est un deux places. Ok, bon bah. Je sais pas où aller la mère de Herc. C'est pas grave. Aller trop loin. On tire à vue sur les cinglés. Bon bah écoute. Le pêcheur est en bas. Fais attention à toi, les ennuis arrivent. Ça on a pris cher effectivement. Non, réparer voilà. Ah oui, t'avais pris cher quand même. D'aller si loin en fait. Ah alors là c'est H je crois encore. Mais ouais, on a un gros problème en approche. Vas-y, je te laisse gérer, je voudrais juste voir comment tu t'en gères, comment tu fais ça. Merde. J'ai un trou civil. Mais calme-toi. Je m'en charge. On va te démerder toi. Ah bon bah ils sont morts de toute façon. On va arrêter de faire les cons. Dis au diable que c'est moi qui
Me serais-je posé un peu violemment? Ça t'apprendra. Putain. Bon. Ok, ok. Je fais de la merde. Tu cherches les réponses? La voix va te révéler la vérité. Face. Ouais, c'est une vieille droguée, là. Utilise l'option quitter la mission. Ah, cool. Hey, j'ai failli oublier. L'ordinateur va se connecter au GPS sur leur bateau. Malin, pas vrai? Alors, trouve l'ordinateur, trouve les bateaux et trouve leur conteneur. Et après, tu fais tout péter. Bah. D'accord. Ah, mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Je vais faire ça. Non mais fais pas ça, c'est... Fais pas ce que je viens de dire parce que c'est pas ce que je voulais. Putain, ouais. Allez, vas-y. T'en fasses quand même. Vous bousillez ma manucure. Merde, c'était G. Je vois pas. Ah si, c'est toi. Ah putain! Bon, ok. J'ai voulu jouer un peu présomptueux à y rester avec mes corps en laisse. Je meurs deux fois comme un gros con. Ouais, bon, bah je fais l'effort et... Ah merci, tu m'arraises. T'es trop mignonne. Ah, par contre, on va un peu plus se cacher. On va utiliser le medikit. Et on va changer la donne là, par contre, mon grand. Voilà, j'aime pas quand on me parle de travers. Phrase qui ne veut rien dire, hein, soit dit en passant. T'as vu ça? Ouais, je l'ai vu, ouais. Je vois pas. Ah si, je vois. Arrêtez de me tirer dessus, connard! Je me fais défoncer par ces tocards! Je suis touché! À l'aide! Ah merde! Oh putain, merde! J'avais pas vu! Mais biche! Pépèche, pardon. Dépêche-toi de te relever par contre, parce que je me barre, moi. Ouh. Eh merde. Oh merde, on me tire dessus. Je crois que je vais mourir. À l'aide. Putain, je pars trop mal en fait. On va s'occuper de Pépèche en premier. Normalement, il n'y a plus personne. Oui, bah ferme-la, Pépèche en premier. Pépèche. Comment elle fait sa chuchote? Elle est sur le point de mourir et elle gueule. Ah bah bravo. Bon, on a été grave mauvais. Hein. Ok, je suis en position. Non, un peu barbare, on n'a pas. C'était un no-brain. On va pouvoir traquer ces bateaux. Bon, déjà, pour commencer, tu vas devoir prendre des airs pour les suivre. Il y a un héliport à côté de cette station-service. Va te servir et prendre l'altitude. Non, mais je vais prendre mon hélico. Attends, j'ai un hélico, sans déconner. On va juste réparer celui-là quand même avant. Vous allez me rattraper.
2 km, ah putain. Oui, je suis mauvais là ce soir. On a de la visite. Joseph, on est, là je suis en hélico donc... Voilà, on est bien droit. Presque en fait. L'hélico c'est kiffant en fait. Pilote d'hélicoptère, ça va être sympa. Allez, on a fait la moitié quand même. Putain, ça va, il va super vite celui-là. Ou c'est moi qui calcule pas le temps en fait. On va opter pour ça. Hein. Je vois pas le temps passer du tout. Alors, on est pas mal. Est-ce que c'est derrière la montagne ou est-ce que c'est avant? Ça a l'air d'être avant. Trouver le convoi, le bateau. Là, il y a de l'eau, il y a de l'eau, donc ça a l'air pas mal. On va essayer de se mettre au plus près. Est-ce qu'on se met au... J'ai envie de me mettre en hauteur. Ou alors, non. Il fallait bien qu'on prenne un hélico et qu'on soit ici et qu'on les canarde, en fait. C'est en hauteur. Le point, il est en hauteur. Ok, quand t'auras trouvé les bateaux, suis-les. Ils te mèneront direct à leur planque. Ah d'accord. Suivons ça. De façon très discrète. Avec un hélico juste au-dessus d'eux. Et je pense qu'ils nous ont pas vus. On a Pépèche qui est dans l'eau. T'es sérieux, Pépèche? On avait Pépèche, la panthère, le guépard, je sais plus ce que c'était, le léopard, là. De l'extrême. T'es sérieux, t'as un... Ah oui, vas-y. Bon, en tout cas, un truc est sûr, c'est que c'est... On n'est pas obligé de les attendre, sans déconner. C'est de l'eau. Donc oui. Ah si. Ah si, il y a une embouchure là. Ah là là. Le problème c'est qu'ils vont... Ah d'accord. Et on se le fait comment? On va se le faire. On va monter sur la colline. Voilà, ça me plaît mieux, ça, déjà. Bon, je sais qu'il y en a un là, déjà, voilà. Là, est-ce que vous envoyez... Ah, il y en a un là-bas. Oh, c'est un tank, merde. Je l'avais pas vu. Il y en a plein que j'avais pas vu, en fait. C'est assez pratique. Ah, vu. Merde. Ça, c'est bon. Non, on va pas le faire maintenant. Toi, j'attends que tu sois un peu caché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Détruisez les conteneurs, il y en a 20. Une balle dans la jambe, tu meurs. Eh ouais, parce que la douleur de la jambe, c'est horrible. Non, t'es sérieux? Je suis grave nul. En fait. Autant des fois, je suis pas trop pourri, mais alors là... Alors, on va mettre H dessus. Ah.
Ok, pour l'instant ça va. D'accord, j'ai tiré à côté. Ça passe quand même, hein. Je ne peux pas recharger, il me reste que 4 balles. Eh bien écoute, c'était un plaisir. Ah bah si, détruisez. Allez, vas-y, j'ai envie de me faire un petit plaisir quand même. On va pas tous les faire comme ça, mais... On va au moins s'en faire, c'est combien? Encore... Bah 4, quoi. Ça c'est juste le bonheur. Vas-y, on va descendre avec le poney là. Enfin le poney, le l'hélico. Rien à voir avec le terme poney. Hein. Yo, je sais bien que t'as les mains dans le cambouis, mais j'ai une idée. C'est une ancienne mine, alors ça doit grouiller de C4 et d'explosifs là-dedans. C'est parfait pour exploser les conteneurs de grâce. Ah. C'est pas spécialement ce que je voulais, mais... Voilà, c'est pas trop. Voilà, ça je préfère. Merde. Pourquoi tu fais ça? Oh. Tu penses me blesser? Mais tu verras bientôt. C'est toi-même que tu blesses. Bon, on va récupérer la mumu par contre, mon... On va commencer à cause. Protégez les conteneurs de grâce. Ah merde. Protégez la grâce. Ils doivent pas la détruire. Oh putain. Mets-toi à côté. Putain, sans déconner, je peux pas être si mauvais que ça. Je mets tout à côté. Bah d'accord, je vais faire un oscope parce que... Ah, il est là. Voilà. Je sais pas. Ah, il y en a un là. Merci la map de me l'afficher. Même deux. Problème solve. C'est cool. Oui, bah des fois, je galère quand même. Allez, on est à 16. Il en manque encore quelques-uns, je ne sais pas où ils sont. Là, on a tout eu. Il y en a un là. Un petit plein de mumu par contre. Voilà. Je vois les nuages de grâce d'ici, putain. La liberté par la pollution. Adélaïde s'était pas trompé sur toi. Un vrai chapeau de cow-boy avec des éperons. Elle parlait peut-être de ta vie sexuelle. Oh, si j'avais avec elle. Enfin bref, à plus. C'est cra... Crac. Putain, on avance tellement vite avec ça là. Hélicoptère tulipe.
Munitions, fusils. Ah, pas mal. Bon, on se fait quoi maintenant? Il nous reste combien de temps? 0 secondes. Ah bah, il nous reste 0 secondes. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!